propos, je voulais faire une remarque à partir des questions que posait Renato tout à l'heure. Donc le mois guerre civile, c'est vrai, donc moi j'ai essayé de mettre un peu d'ordre, hein, mais c'est vrai qu'il y a un côté très guerre civile dans l'affaire, au sens où le moi est un peu, j'ai dit comme il était plongé en même temps dans le sale, sur moi, donc évidemment, il y a un mouvement, on s'y perd un peu. Alors, Freud, il l'articule d'une manière comme une logique, comme une logique, il ne peut pas s'empêcher, n'est-ce pas, de montrer les liens qui se passent. Néanmoins, on a une pathologie beaucoup plus claire à partir du moment où Lacan sépare le sujet et le moi. Ça, c'est la grande opération lacanienne logique sur ce texte. C'est une séparation entre le sujet, que d'ailleurs on peut nuancer entre sujet du vouloir dire, le sujet plutôt, vouloir dire c'est beaucoup trop, c'est un vouloir dire après tout, un sujet comme déduit du signifiant, ou comme sujet de la jouissance, d'autre part, quand on parle aussi. Et le moi, d'autre part, qui est alors l'instance de l'image. Une fois que ce clivage-là est fait, de l'image et aussi bien donc des images toutes faites dans sa tête, c'est-à-dire de comment on pense que l'autre pense, etc. C'est-à-dire préjugés. Les préjugés, c'est des images. Et donc ça, je trouve, c'est un effet important de vous situer qu'il y a quelque chose qui reste brouillon du moi dans ce texte, et plutôt qu'il reste dans un certain brouillard dans ce texte, du fait que Freud n'arrive pas à extraire tout à fait ce moins structural inconscient. Il essaie vraiment de donner une précision. On a l'impression que Lacan l'a sauvé en prenant le « ir » et en mettant du côté du sujet. Absolument. Et pas de l'objet, parce que le « moi » peut être considéré comme un objet, et l'objet, dans le cas, c'est l'objet. Le sujet qui devient objet du sujet à l'image. Et dès le premier texte de Lacan là-dessus, c'est dès sur le stade du miroir, Lacan parle, c'est constitutif du moi, et en même temps il évoque le « i », c'est pas le « je », qui est traduit en français non pas par sujet d'inconscient, mais avec un grand « je », un grand « j » du « je ». Bon, ça c'est première chose. Deuxième chose, sur votre remarque sur les idéaux, moi il y a quelque chose qui me laisse au fond toujours dans une certaine perplexité par rapport à ce texte de Freud, c'est qu'il égalise dans ce texte, il identifie l'idéal du moi et surmoi. Il dit l'idéal du moi, c'est-à-dire le surmoi, à deux endroits, il met l'idéal du moi entre parenthèses, ce sont comme ici, le moi et le surmoi entre parenthèses, l'idéal du moi. Oui. Donc, comme si c'était des synonymes, voilà. C'est là que je dis en fait que ça prend des accents différents, voilà. Parce qu'il y a des moments où il laisse tomber l'idéal du moi, il parle du surmoi, d'autres moments il revient avec le et finalement, ce n'est pas par hasard, si on remarque. Voilà, c'est pas par hasard, et il me semble que Lacan, encore une fois, va reprendre ça pour l'accentuer, que certes, quand on pousse un idéal trop loin, on peut tout à fait en produire un effet surmoïque. Mais à la fois, il y a quelque chose de différent dans l'idéal du moi qui s'extrait du complexe d'Oedipe et dans le surmoi obscène qui pousse à jouir toujours plus. Et vous avez parlé de la morale par identification. Par identification, pas au papa de lorsqu'on est petit, mais opère que Lacan parle d'identification phallus. Voilà. Il y a un pied de page de Freud où Freud dit, je dis identification au père, ça pourrait être aussi identification à la mère, mais il y a une patiente que lorsque ça s'est passé comme identification à la mère elle était phallique. Et je crois que ça n'a pas échappé à Lacan. Et Lacan a vu que ce qui est important, c'est pas le père, c'est pas la mère, c'est la question qui peut être représenté par ce père phylogénétique de la horde primitive cruelle. Et... Moi, je voulais juste dire un mot sur la traduction, juste insister là-dessus, sur le fait que vous avez dit, je ne savais pas cette histoire de Marie Bonaparte avec le moi domine. Voilà, d'idéologie de ça. Ce qui est bien, c'est que je trouve qu'effectivement, puisqu'on en est à l'époque des traductions en ce moment, c'est le jeu advient, qui donne cette notion dynamique à peu de fin de cure. Oui, voilà. Tout à fait. Alors, François souhaite poser une question. Oui, je voulais puisque prendre au vol quelque chose que tu as dit, parce que ce texte, moi, ça, Alexandre,
C'est vrai qu'il est très difficile. Le moi et le ça, c'est un texte que j'ai trouvé très difficile. Et au fond, on ne comprend pas très bien quel est le projet de Freud dans ce texte. Et si on le lit, comme je pense qu'on doit lire ces textes freudiens, surtout de ce carrefour aussi de, au-delà du principe de plaisir dont je devrais faire l'exercice de parler ici, on a l'impression qu'il faut le lire non pas par rapport à ce que dit Freud, mais au cheminement de son questionnement. Or, pour moi, ce texte est un texte qu'il appelle le moi et le ça, mais qui est d'abord un texte sur l'inconscient. Et que son problème, et le problème que tu as pointé, c'est d'essayer de se dire, si j'étais Freud, comment j'écrirais cette question de la part inconsciente du moi ? Parce qu'en fait, il a une certaine tendance dans ce texte qui a été prise, comme vous l'avez dit tous les deux, par les post-freudiens, d'en faire une instance de maîtrise, de conquête du ça, mais en même temps, le moi est une instance imaginaire, leurrante, finalement, là aussi, inconsciente, qui crée des formations, des déformations, enfin, c'est présent. Et puis après, quand il a mis en place cette part inconsciente du moi, il finit par plus du tout arriver à saisir cette inconscience. C'est pour ça que ça se termine, non, ça se commence, mais par une note, la fameuse note tout au début qui est très étrange, puisqu'il dit « il y a trois inconscients ». Alors, si tu lis cette note, il faut la lire en allemand, au bout d'un moment, tu ne comprends plus pourquoi il y en a trois. Parce qu'il y en a un premier qui n'est pas un inconscient, qui est un préconscient, que lui appelle « unbemerkt », c'est-à-dire qu'il n'est pas, alors en français, ça passe inaperçu, c'est le cas de le dire, parce qu'ils disent l'inaperçu, mais « unbemerkt », c'est un mot construit comme « unbewusst », sauf d'un côté c'est « bemerkt », et de l'autre côté c'est « bewusst », qui met en jeu un savoir. Puis après il y a un deuxième inconscient, bon, qui est celui produit par le refoulement, l'inconscient dynamique, comme tu as dit. Et puis un troisième inconscient qui pose là comme une espèce de révolution. Troisième inconscient, alors qu'il serait, puisqu'il dit tout ce qui est, il l'avait déjà dit en 1915, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est refoulé est inconscient, mais tout ce qui est inconscient n'est pas refoulé. Et il dit un mécanisme là que je n'arrive pas à saisir, enfin, pour expliquer ce troisième inconscient. Donc en fait, il fait éclater complètement, enfin, il y a quelque chose d'impossible à saisir dans cette fonction de l'heure, cette fonction de méconnaissance qui loge, finalement il trouve lui-même sa notion d'inconscient qui lui fait complètement, de sa notion du moi, pardon, qui lui fait complètement éclater la notion d'inconscient, hein, qui commence à patiner dans cette... À partir de là, je me disais, bon... quand même, en lisant ça, en se disant qu'on est Freud, qu'est-ce qu'il a dû mettre avec ce « ça » Parce qu'on avait eu une fois un colloque avec Olaf Freud, c'est l'inconscient et le « ça ». Mais on n'est pas très... Enfin, je veux dire, je trouve que si on me mettait sous pain total pour me dire de me faire maintenant un cours sur le « ça », à part citer comment ça survient, hein, c'est-à-dire qu'il a fait un tour de passe-passe, là, c'est perdu. C'est-à-dire, si vous écrivez ce texte, comme Freud l'écrit, vous êtes perdu dans la logique, dans la construction, dans l'écriture. Et que là, tout à coup, il met ça en jeu. Donc, je trouve très intéressant de la façon dont tu as tout de suite pointé ce moi inconscient structural qui, au fond, alors bon, tu as l'air de dire que dans ce séminaire de 80, vous en discutiez comme le sujet, enfin, une superposition, c'est-à-dire déjà l'éclatement à l'intérieur de la conception du moi, de la notion du moi. Oui, c'est le souvenir que j'ai de ce séminaire. En effet, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque, parce que je trouve ce texte, je le trouvais déjà très difficile, je le trouve toujours très difficile d'ailleurs, parce qu'il y a une certaine confusion interne au texte, si tu veux. Qu'on ne peut comprendre que par l'exigence de Freud d'arriver à résoudre la question
de l'inconscient après l'invention de la pulsion de mort, ce qui quand même complique beaucoup les choses. Exactement. Et qui s'est imposé à lui par un certain nombre de rencontres cliniques, donc ça s'est imposé. Si c'était un système construit, il n'aurait pas eu besoin. Mais la clinique lui a imposé la pulsion de mort, et à partir de là, ça lui a fait une difficulté, hein, incontestable, puisqu'il n'y a plus le moteur du principe de plaisir. C'est ça qui est perdu dans l'affaire. Et à partir de ce moment-là, on a ce texte qui est complexe, et au fond, moi, ça m'avait beaucoup éclairé d'entendre, je pense que c'est Jacques Lamillière, et je pense que c'est bien à ce séminaire d'idées-là, proposer qu'au fond, ce moi, cette part inconsciente du moi, en quelque sorte, c'est ce dont Lacan va faire le sujet. Et ça me paraît éclairant, si tu veux, et pas tellement contestable. Bien sûr, on peut dire que c'est pas tout à fait ça, c'est juste. Mais il y a quand même une manière dont Lacan a tranché là-dedans, en séparant les eaux entre le moi conscient, sans être tout à fait conscient de ce qu'il est, c'est-à-dire préconscient, au fond, flottant par ailleurs, imaginaire, en même temps important dans la structuration du narcissisme du sujet, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de produire des sujets non plus sans moi au bout de l'analyse, sans narcissisme, on produirait des morts vivants. Enfin, je veux dire, il faut saisir que le moi a son importance en même temps du côté, en effet, du sentiment narcissique, de l'image du corps, etc. Néanmoins, ça n'est pas ce qui est aux commandes de l'appareil psychique du sujet. Pour Lacan, c'est ça qui est évident. Et c'est ça qu'il arrive à faire opérer là-dessus. Mais c'est ce que Freud dit ici aussi, n'est-ce pas ? Il n'est pas, j'avais dit tout à l'heure la phrase exacte, il n'est pas, il ne domine pas l'appareil psychique. Et parfois, c'est la même chose à ce moment-là. Et néanmoins, toute une pente du texte, dans la mesure où ça reste un texte difficile, a pu être compris comme oui, d'accord, il dit ça, mais quand même, le moi doit à la fin arriver à dominer le ça, etc. Donc on comprend bien l'interprétation des post-freudiens, parce que faute du génie de Lacan de faire cette relecture des essais de psychanalyse avec Jacobson, il faut que c'est quand même, et avec les linguistes, avec Saussure d'abord, c'est avec ce minimum-là qu'il fait la relecture. Bien sûr, avec Auger et Gaël, hein, donc il situe l'autre aussi. Et donc, simplement, avec ces deux petits appareils, il soulève Freud et il en sort quelque chose qui, structurellement, tient la barre beaucoup mieux que les interprétations, alors qu'ils apparaissent tout de suite comme ils ont compris trop vite, imaginairement. Ils se sont noyés dans le moi. Alors que Lacan, les a tranchés. En cela, c'est vraiment une lecture. Une lecture de Freud, parce qu'en fait, il a lu les conséquences du système qu'il essaye de construire, puisque, bon, au fond, dans au-delà du principe de plaisir, il a vu l'échec du principe de plaisir, il a mesuré cliniquement la compulsion de répétition, la réaction thérapeutique négative, il a voulu en mettre un fondement biologique. Il a dit, on ne peut pas, bon, on en parlera quand on parlera de ça, ici, on ne peut pas, c'est un échec. Je spécule. Je laisse tomber et je spécule. Puis là, il part dans une spéculation et que de nouveau, enfin, il retrouve cette pente où, en fait, tout en construisant ce système qui pourrait être formidable, enfin, de servir à tout, bon, il balance normalement. À ce moment-là, on balance l'inconscient puisqu'on remplace par les mécanismes de défense du moi. Quoi. C'est la formation type ego psychology, c'est créer des moi forts. Et en même temps, on voit que Lacan est attentif à la lecture que tu fais toi et qui est répercutée. Oui, pas même l'arrivée un peu de ces mécanismes de défense qui seraient presque des instruments là dans cette métaphore cavalière par rapport au cheval. On voit que finalement c'est le cheval qui mène le cavalier. Le cavalier, il essaye un peu de mener à droite, à gauche, mais c'est le cheval qui mène. Et d'ailleurs, tout à la fin, le texte se termine par rapport au ça, où il dit qu'à l'intérieur, le ça, il est constitué de cet équilibre et déséquilibre entre Eros et pulsion de mort. Mais enfin, il donne une tonalité lacanienne là, lorsqu'il dit, mais c'est la pulsion de mort qui domine.
même si peut-être je n'évalue pas correctement le potentiel des roses et une belle domination. C'est, à mon avis, c'est, enfin, en vous écoutant, c'est pas facile en effet ce texte, mais il me semble que c'est au fond une tentative de traiter le problème qui est la conséquence de l'apparition de la pulsion de mort en 1920 sur l'inconscient lui-même. C'est-à-dire qu'on ne peut plus penser l'inconscient en termes de principe de plaisir qui produit un équilibre, une homéostase. Quelque chose déborde toujours. Il y a un trop, c'est pour ça qu'il va jusqu'à dire le surmoi qu'une pure culture de la pulsion de mort. Ah, c'est formidable quand même. La pure culture, c'est-à-dire la réduction à la pureté de la langue pure, comme quelque sorte. Le pur commandement. Autrement dit, on ne peut plus obtenir dans l'inconscient lui-même, qui est un principe d'équilibre, n'oublions pas, le principe de plaisir vise à l'homéostase, et le principe de réalité, il fait pareil en 1911. Hein. C'est simplement, il rallonge le circuit, quoi. Eh bien, on a au contraire un principe de déséquilibre. Ça va contre l'homéostase, et c'est le concept de jouissance chez Lacan qui rend compte de ça. Et il me semble que c'est une tentative, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce qu'on est à la fois dans un système complexe, qui a des parties, qui a à faire faire, mais en même temps, c'est pas stable. Quelque chose fait que ça se déséquilibre tout le temps. Parce que la langue elle-même se réduit toujours plus, tu dois. Et ça, c'est sans fin. Donc la psychanalyse vise à quoi par rapport à ça? Elle vise à arrêter cet infini, à procurer une satisfaction. Ça fasse assez. Et non pas d'aller du côté de la pure culture, de la pulsion de mort, qui est que ça suffit jamais, toujours plus. Il me semble qu'on peut entendre un peu la complexité de la chose par cette tentative de resituer les conséquences de l'introduction de la au-delà du principe de plaisir dans la logique même de l'inconscient, comme instable. Oui, d'ailleurs, la pulsion de mort qui domine, c'est compliqué, parce que c'est presque logique, c'est presque physique, c'est pas tellement de dire le mal domine... Oui. C'est de dire toute pulsion est pulsion de mort. C'est-à-dire toute pulsion va vers l'inanimé, va vers le retour à l'état antérieur. Et c'est là que, au fond, le mouvement, ça a été la mise en. Parce que c'est un binarisme pulsionnel, pulsion d'autoconservation, pulsion du moi, du sexuel, pulsion d'autoconservation, pulsion sexuelle d'abord. Ensuite, libido, comme tu as dit, libido du moi. Comme l'a relevé Jacques, je crois, en passant, libido du moi, libido d'objet, et à ce moment-là, tout est libido. Donc il doit rétablir, à l'épreuve de l'échec du principe de plaisir, un truc qui fait dysfonctionner. Donc rétablir un binarisme fonctionnel, et puis c'est comme ça qu'il essaye de... Ce qui est étonnant, c'est qu'il est... Si on avait écrit, peut-être qu'on se prend pour Freud, excusez, mais je n'ai pas fait de paranoïa à la grave, mais si on se prend pour Freud, on se dit pourquoi il n'a pas écrit ce texte sur l'inconscient, plutôt que de mettre ce moi là au milieu, qui... alors que c'est un texte sur l'inconscient, c'est pas... C'est d'autant plus étonnant qu'au fond, quand il écrit ce texte sous le titre Le moi et le singe, il donne au moi, au fond, un statut un peu gonflé, et qui en même temps n'est pas extrêmement clair. Non. Et le ça, il faut bien dire, c'est totalement creux. Alors, c'est ça. Le texte, ça, c'est exactement. Bon, ça, c'est moi, je me perds. Mais exactement. C'est-à-dire, le moi et le ça, tu ne comprends pas ce que c'est le moi, tu ne comprends pas ce que c'est le ça. Par contre, c'est un texte extraordinaire sur l'inconscient. Oui, et sur les limites de l'idée d'un conscient. Tu vois, sur les inconscients, comme tu viens de dire. Les inconscients. Bon, mais donc, si on passe du scandale de la sexualité infantile au scandale de la pulsion de mort. Et c'est ça qui est passé. Alors, bon, le temps avance. On a, je ne sais pas s'il y a une dernière question ou remarque. Moi, j'aurais voulu encore revenir sur la. Lorsque Bobby a parlé du moi comme lieu de la circulation de libido, on pourrait parler aussi de circulation de la récidivité et à la fin du texte, même de l'angoisse, puisqu'il introduit l'angoisse dans le texte, mais on laissera ça peut-être pour une prochaine fois. Nous vous remercions beaucoup. Merci à vous. La prochaine fois.
Alors, la prochaine fois, ce sera en mars avec Adam Price qui va nous parler du séminaire sur le désir, le séminaire 7, le 6, le séminaire 6, et Leslie Pons qui va parler sur la conscience, justement, le texte de la métaphysique. C'est le désir et son interprétation. 18 mars. Dans cette salle.